Musiquelle, c'est un voyage au cœur de l'histoire de la musique. Musiquelle, c'est l'histoire de ces compositrices qui ont marqué l'histoire, mais dont les noms, bizarrement, ont disparu des manuels scolaires. Musiquelle, c'est la rencontre avec des compositrices contemporaines qui nous parleront de leur création et nous dévoileront le visage d'une de ces figures historiques, une de ces compositrices oubliées. Musiquelle, c'est l'histoire de la musique au féminin. Aujourd'hui, j'ai convié Lucie Prodhomme, compositrice. Elle vous parlera de son métier, elle vous parlera de son œuvre Cantique des Cantiques et dévoilera le visage de Béatrice Dédia, comtesse de Die, troubadourite, née au XIIe siècle. Eh bien, je suis compositrice et pédagogue. Je compose de la musique électroacoustique, dite acousmatique, de la musique mixte et aussi de la musique instrumentale. J'ai commencé mes études par des études de piano tout à fait classiques, mais je crois que déjà c'était déjà dans les gènes, je crois. En fait, j'étais pas une très très bonne pianiste. Je n'étais pas une très très bonne élève pianiste non plus parce que je ne jouais pas vraiment ce qui était écrit et j'en faisais qu'à ma tête. Mais les profs que j'ai eus étaient très sympas, alors bon, ça s'est quand même bien passé. En fait, je me souviens que déjà, dès le début, je démontais le piano, je grattais dans les cordes en dessous, j'avais un magnétophone que m'avait offert mon père et j'enregistrais, je hurlais dans les cordes, enfin bon. Donc c'est vrai que l'usage du piano a été très vite détourné, c'était déjà très créatif. Et puis, j'ai fait aussi des études de chant. J'ai eu une période, ça m'arrive encore, mais où j'étais cantatrice dans le Lulu Berlu Duo. Donc, c'était de la musique contemporaine avec des spectacles un peu déjantés. Et puis, j'ai rencontré finalement tardivement la musique électroacoustique parce que j'ai enseigné tout d'abord la formation musicale avant d'être professeure de composition électroacoustique et instrumentale. Et je m'occupais au début de ma carrière à Marseille de formation musicale et plus particulièrement au tout début de jardin musical. Et là, j'avais des tout petits, c'était les débuts de l'éveil musical dont je m'occupais et j'avais cherché des choses pour rendre la musique accessible sans les notes, sans toutes ces choses qu'on apprenait au solfège. Et j'avais trouvé des disques de musique un peu étranges, des gens qui s'appelaient Parmigiani, François Bell. J'avais trouvé ça dans les bacs, parce qu'il y avait encore des disquaires à l'époque. Et j'avais trouvé ça dans les bacs et je trouvais que ça ressemblait vraiment à tout ce qu'on faisait, parce qu'on jouait avec des corps sonores. Enfin, je savais pas que ça s'appelait des corps sonores à l'époque, mais avec toutes sortes d'objets, de choses qu'on grattait, qu'on frottait, on cherchait à écouter comment c'était. Enfin, il y avait tout ce travail-là qui se faisait. Et en formation musicale aussi, je passais pour une douce dingue, je pense, auprès de mes collègues, parce que j'avais pas envie d'aborder comme moi j'avais pu aborder, alors les dictées, les rythmes comme ça, les notes comme ça, et j'avais envie que les élèves fassent de la musique et qu'ils ressentent la musique avant d'apprendre à lire et écrire. Donc ils venaient avec leurs instruments, enfin c'était très joyeux, un peu foutoir peut-être, mais c'était très expérimental. Et puis un jour, mais ils n'étaient pas plus mauvais que les autres hein, à la fin de l'année. Mais c'était plus marrant, on faisait de la musique. Et un jour, je rencontre Pascal Gobin, parce qu'il devait écrire quelque chose pour des élèves adultes que j'avais en formation musicale. Et puis, on discute de ce que je faisais, ce qu'il faisait, enfin bon. Et puis, à un moment, il me dit, mais ce que tu fais, c'est de la musique concrète, c'est de la musique électroacoustique. Mais c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ben, si t'écoutes Parmigiani, c'est musique électroacoustique. Viens au conservatoire, viens voir ce qu'on fait. Je crois que tu as des choses à voir chez nous. Et donc, je suis allée au conservatoire, je me suis inscrite dans sa classe et j'ai découvert qu'il y avait des tas de gens qui écoutaient pareil que moi, enfin, de la même façon, qui écoutaient les sons de l'intérieur, qui se fichaient de savoir si c'était des do ou des mi et qui écoutaient s'ils avaient un grain, s'ils avaient un petit frémissement, des choses de ce genre-là. Et j'ai commencé mes études de composition électroacoustique dans cette classe. Et ça a été une révélation. Ça a été une révélation pour mes oreilles. Ça a été une révélation parce que d'un seul coup, je me suis sentie beaucoup moins seule et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens aussi attentifs que moi
à ce qu'on pouvait écouter, ce qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait mettre des mots là-dessus parce qu'il y avait même un solfège de l'objet sonore, et que du coup, ça s'enseignait aussi dans les conservatoires. Alors moi qui avais l'impression d'être un peu à côté de la plaque et d'être un peu allumée, quoi, ben, du coup, je me suis sentie moins seule. J'ai eu plein de copains et plein de copines qui étaient comme moi, et ça a été le début d'une grande aventure. Et puis donc j'ai fait mes études de composition électroacoustique au Conservatoire de Marseille. C'était déjà tardif parce que j'avais à peu près une trentaine d'années, enfin pas loin d'une trentaine d'années quand j'ai commencé, peut-être 20, je sais plus, enfin bon, peu importe. Et donc j'ai eu mon prix et à la suite de ça, eh bien j'ai monté la classe de composition électroacoustique de la Cité de la Musique à Marseille, là où j'avais commencé à enseigner la formation musicale. Et cette classe donc a vu le jour, je crois, vers 2002, me semble-t-il. Parallèlement à ça, j'étais rentrée au laboratoire musique et informatique de Marseille, où travaillait aussi Pascal Gobin, parce que c'était un laboratoire de recherche avec des gens comme Marcel Frémiot, comme Jacques Mandelbrot, qui était le plasticien scientifique, d'autres compositeurs, Pierre Malbosque, enfin, plein de gens passionnants, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur un projet de recherche qui était chapeauté par François Delalande, qui s'appelait les unités sémiotiques temporelles, qui était un prolongement finalement des travaux de Schaeffer et un outil d'analyse sur comment on pouvait analyser la musique contemporaine et la musique électroacoustique en priorité. Donc ça a été un grand travail sur lequel j'ai été présente jusqu'en 2008 à peu près. Et tout ça, ça m'a apporté une écoute très particulière et cette envie de travailler sur l'écoute dans mon travail de compositrice et aussi de transmettre cette attitude d'écoute et de la partager avec des étudiants. Et puis je suis arrivée à Perpignan en septembre 2014, je crois, pour prendre la suite de Denis Dufour. Et je suis maintenant donc professeure de composition dans cet établissement. Voilà. Et quand je parle de l'écoute, en fait, sur mon travail de compositrice, cette écoute, elle est extrêmement importante. Alors, je pense qu'elle est liée à cette formation schaefferienne, bien évidemment, mais elle était déjà présente avant. Et dès mes premiers travaux, en fait, elle a toujours été présente, même si ça s'est affiné au fil du temps. Le propos que j'ai, c'est vraiment d'amener les auditeurs à une écoute très très attentive, donc j'essaye de trouver des moyens de les amener à cette écoute très très attentive, et ils ont à travailler. En fait, quand je compose l'écoute de l'auditeur, et je sais qu'il aura une part de travail à faire, donc où il accepte ou il accepte pas, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est vraiment de dire aux gens, vous avez des oreilles, c'est pas parce que dans le monde où on est, il y a du bruit partout, il y a de la musique partout, et quand vous regardez quelque chose, il y a à la fois à voir, à entendre, et que c'est très compliqué, vous êtes beaucoup sollicité, et que du coup, vous écoutez plus rien, vous voyez plus rien. Là, l'idée, c'est vraiment, je fais le choix d'une écoute, je me pose pour écouter ça, je sais que ça va me prendre un moment, ça va me prendre du temps, mais je fais cet effort-là, et donc j'ouvre mes oreilles au monde, et je les ouvre peut-être autrement, enfin tout au moins, c'est ce que j'espère. Et quand je travaille, j'ai beaucoup de temps dans ce qu'on appellerait la maturation du projet. C'est-à-dire que ce qui me prend le plus de temps, c'est de penser l'idée de départ, bien évidemment, ce que j'appellerais l'idée poétique ou l'idée conceptuelle. Mais après, qu'est-ce que je vais en faire musicalement? Comment je vais construire cette écoute? Comment je vais l'élaborer, quel type de son je vais pouvoir faire. Il y a tout un travail qui est très très long où je fais des schémas, des esquisses, comme les travaux préparatoires pour un peintre peut-être, enfin, j'imagine. Et ça me prend beaucoup de temps. Et quand tout ça est à plat sur le papier, en fait dans ma tête j'entends complètement la pièce, donc pour les pièces électroacoustiques bien évidemment, mais pour les pièces instrumentales ou mixtes j'ai un peu tendance à faire la même chose. Et là pour moi la pièce elle est terminée. Et il y a la suite, qui va prendre des dizaines et des dizaines d'heures, bien évidemment, selon la durée. La suite, eh bien, c'est finalement que la réalisation purement artisanale, je dirais, du projet. Alors, la rencontre avec la comtesse de Die, elle se fait dans un contexte très particulier pour moi. Comme j'enseignais la formation musicale et que je pense toujours d'ailleurs, qu'il était important aussi d'avoir une culture musicale,
pour mes élèves, autant adultes qu'enfants, je faisais une partie du cours qui était en fait de la culture, où on découvrait des courants musicaux, enfin bon, un peu tout ça. Et puis un jour, je vais, donc c'était le cours sur les troubadours, donc je vais à la médiathèque et je fouille dans le bac à musique ancienne, enfin, je ne sais plus comment c'était rangé, et je cherche et je tombe sur un CD, Troubadour et Troubaïritz, je crois que c'était, ou que Troubaïritz, je ne me souviens pas. Je regarde ce truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça, les Troubaïritz? Je vais voir la médiathèque, la responsable de la médiathèque, elle me dit, ah, mais ce sont des femmes troubadours. J'ai dit, ah! Donc je prends le disque, je rentre chez moi, je lis, j'écoute, et c'est ainsi que j'ai découvert, entre autres, mais c'était, elle était dedans, eh ben, la comtesse de Die, avec une pièce qui s'appelait Achantar, je ne sais plus quoi, et je crois que c'était même Montserrat de Figueras qui chantait, enfin, c'est assez loin, et je me suis dit, mince alors, il y a des troubadours femmes, et je ne le savais pas. Moi, professeur de formation musicale, qui suis censé quand même avoir eu une culture musicale suffisamment large, je ne connaissais pas la comtesse de Die. Et du coup, ça m'a renvoyé à une autre expérience que j'avais faite pas très longtemps avant, c'était à peu près à la même période, quand j'avais passé mon premier CA en composition électroacoustique. En fait, je ne m'étais jamais posé la question, jusqu'à ce moment-là, de est-ce que j'étais compositeur ou compositrice. Je me disais que j'étais compositeur, mais parce qu'à l'époque, c'était au masculin, enfin, la question ne se posait pas comme ça. Et pour moi, j'étais Lucie Prodhomme qui composait, quoi. Et je n'avais jamais eu, de la part de mes collègues compositeurs au MIME, de mes collègues enseignants, je n'avais jamais eu la moindre réflexion disant « Ah, t'es une femme, tu composes, t'es comme c'est bizarre. » Personne, je n'avais jamais été confrontée à ça. Et quand j'ai passé le CA, je crois que c'était aux alentours de 2000, 99-2000, je sortais tout juste, je finissais tout juste de mes études de composition électroacoustique, se présente un CA, donc comme il n'y avait pas souvent, il ne fallait pas le rater. Donc effectivement, je n'étais pas très connue en tant que compositrice de musique électroacoustique. J'y vais quand même, je me dis, il n'y a rien à perdre. Et puis, voilà, t'y pas que je suis... Je passe le premier tour, c'est-à-dire j'avais l'admissibilité. Donc je me retrouve à passer l'admission. Et l'admission, il ne restait plus beaucoup de candidats. Et en fait, j'étais la seule candidate. Mais ça, je ne l'avais pas compris. C'est quand je suis arrivée devant le jury, à la première épreuve, je rentre et là, il y avait une brochette, je crois que c'était 9. Dans mon souvenir, ils sont 9. 9 jurys, 9 hommes. Et là, dans cet instant-là, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mince. Et là, dans cet instant-là, j'ai eu vraiment la conscience de ce que j'étais une femme, que là, j'avais un jury que d'hommes, et c'est peut-être moi qui ai imaginé, mais c'était « Ah ah, tiens, une compositrice !» Enfin, ah, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai eu cette conscience, d'un seul coup, que j'étais pas compositeur, mais que j'étais compositrice, et j'en ai pas eu que l'impression, j'en ai eu aussi la certitude, parce que ces épreuves se sont passées d'une façon très étrange. Et j'ai la certitude, parce que j'ai discuté après avec d'autres collègues qui les passaient en même temps que moi, des collègues masculins, j'ai la certitude que je n'ai pas passé exactement les mêmes épreuves. Alors c'est peut-être mon ressenti, hein, bien évidemment. En tout cas, le résultat est le même. Et que je n'ai pas été jugée de la même façon que mes collègues masculins. Alors, réalité ou ressenti, peu importe. Mais de là date le moment où je me suis dit, je suis compositrice. Et après ça, d'ailleurs, j'ai toujours mis compositrice, plus compositeur. Et cette rencontre, dans la même période à peu près, avec cette compositrice si lointaine pour moi, qui était la comtesse de Die, ça a été le deuxième moment de réveil, en me disant, mais attends, tu fais des cours de culture à tes élèves, quand est-ce que tu leur parles de femmes compositrices? Est-ce qu'il y en a? S'il y a celle-là, il y en a d'autres. Et j'ai commencé à chercher, à acheter des bouquins, et il y avait des musicologues qui commençaient à travailler là-dessus, heureusement, et j'ai découvert plein de gens, plein de femmes, plein de... dont on n'avait jamais parlé. Et je me suis rendu compte aussi que les grands posters qu'on avait en formation musicale sur les murs, il y avait une seule femme, au tout début, c'était Hildegard von Bingen. Et tous les autres, c'était des hommes. Alors, on a commencé avec les élèves à voir d'autres compositrices et à les rajouter sur le tableau parce qu'elles manquaient, tout simplement. À eux, ils n'avaient pas fait très attention parce qu'il y avait plein d'hommes à perruques. Ils me disaient, mais si, il y en a des femmes, regarde, elles ont des perruques. Mais ce n'était pas des femmes, enfin. Bref.
Donc cette rencontre avec la comtesse de Die, ça a vraiment été le point de départ pour moi de cette recherche et de ce questionnement, pourquoi pendant toutes mes études musicales, on m'avait caché quelque part qu'il y avait des compositrices. Pourquoi on n'en parlait jamais, alors qu'elles avaient une œuvre tout à fait conséquente, qu'elles avaient autant de compétences que leurs collègues masculins. Pourquoi j'en avais jamais entendu parler? Pourquoi? Et la filiation, elle est plutôt là, voilà, dans ce fait de dire, il y avait des femmes compositrices avant moi, il y en aura après moi, bien évidemment, et je suis donc dans une lignée, ce que j'avais jamais senti, bien évidemment, puisque je m'étais jamais posé cette question du genre, est-ce que je composais, et puis voilà, je composais, et le fait d'être femme ne changeait rien au fait d'être compositrice ou d'être compositeur pour moi. Donc c'est vraiment cette rencontre-là qui a fait que j'ai cherché les autres. Donc grâce à la comtesse de Die, eh bien j'ai rencontré des tas d'autres compositrices et je lui en suis très reconnaissante.
Cantique des Cantiques, c'est une œuvre qui se trouve dans le prolongement en fait du cycle Leçon du silence que j'avais fait précédemment et qui était tout un travail sur comment on peut composer le silence, lui donner une épaisseur, lui donner une texture, lui donner une couleur, enfin comment on peut composer à la fois avec du son et à la fois avec du silence. Et amener l'auditeur à une écoute très très particulière. Et cette écoute très particulière est très précise, en fait, on la retrouve dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est né de lecture de vulgarisation scientifique d'un ouvrage de Christophe Galfard qui s'appelait, je crois, L'univers à portée de main. Et il y avait tout un passage qui était sur... le monde quantique, l'infiniment petit, ce qu'il appelait l'infini quantique. Je trouvais que c'était très beau et très poétique. On se retrouvait comme des petits bonhommes à l'intérieur d'un monde où il y avait des choses extrêmement petites. Et là, ça m'a agité les neurones et j'ai cherché ce que moi je pouvais faire de peut-être, dans cette idée-là,
mais avec la musique. Et du coup, je me suis penchée sur les infimes battements qu'on peut obtenir quand on travaille sur des fréquences très très proches et qu'on obtient des battements et que selon comment on rapproche ou qu'on éloigne les fréquences, les battements varient. Enfin, et quand on en groupe plusieurs, enfin, j'ai fait des tas d'expériences là-dessus pour arriver en fait à construire une musique faite de minuscules vibrations, d'infimes petits sons qui naissent de ces jeux de fréquences très proches, de ces infimes battements qui peuvent être à la fois des battements, des variations de hauteur, mais qui peuvent devenir des textures, qui peuvent devenir des matières sonores, qui peuvent donner une espèce de vie à la matière, des minuscules palpitations, des petites oscillations incessantes. C'est vraiment... C'est vraiment un chant, CHANT, une espèce de chant quantique, c'est-à-dire où c'est cet infime sonore qui se met à créer la musique et à faire sens. Et donc ça demande là aussi à l'auditeur d'être extrêmement attentif, à rester dans cette matière sonore de l'intérieur et à être à l'affût de ces petites choses qui bougent à peine, mais qui en fait font beaucoup. De loin, on dirait qu'il n'y a rien, et quand on est dedans, qu'on écoute, d'un seul coup, la matière prend vie. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire, tout au moins. Voilà. Et donc, cette pièce, c'est une pièce de 2019, et la création s'est faite au festival En chair et en son, en octobre 2019. Elle n'était pas spécialement destinée à la danse. En fait, le festival En chair et en son, c'est un festival qui est porté à bout de bras par Michel Titin-Schneider et toute son équipe. Il y a beaucoup de gens qui sont très militants. C'est un festival danse buto et musique acousmatique. Et on espère d'ailleurs qu'il va pouvoir continuer parce que c'est pas très facile en ce moment, bien évidemment. Et ça vaudrait le coup qu'il continue parce que ça fait des rencontres très intéressantes. L'année d'avant, j'avais déjà participé à ce festival avec le son du silence, d'ailleurs, et une danseuse qui s'appelait Lorna Lovry. Et c'était une très, très belle rencontre. J'avais découvert la danse buto et ses mouvements extrêmement lents. Et c'était là aussi quelque chose qui, pour moi, avait été une rencontre essentielle parce que ça faisait sens avec ma musique. Et quand Renaud Samper, qui devait danser pour ce festival, m'a appelé parce qu'il avait écouté ma musique et m'a dit « je voudrais travailler avec toi », je me suis dit « oh chouette, je reviens très très volontiers dans ce festival ». Et on avait travaillé ensemble, donc la musique préexiste à la chorégraphie qu'il a pu faire, mais on a malgré tout beaucoup travaillé ensemble. Et moi, pour lui expliquer ce que j'avais voulu musicalement, et lui, pour chercher aussi ce travail minuscule, même s'il n'est pas danseur buto, mais danseur de danse contemporaine, il a essayé de chercher aussi, au niveau du geste, ces minuscules choses qu'on peut-être essayer de trouver, qu'on trouve très souvent dans la danse buto, et ça a été une très très belle collaboration. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ma musique avec ce danseur. Voilà. Et c'est vraiment un travail sur l'infime et sur cette écoute. Et cette écoute, du coup, avec la danse, ça fait qu'on écoute à la fois des choses très très petites au niveau musical et qu'en même temps, le visuel travaille aussi, même si c'est pas redondant, hein, travaille aussi sur le même propos de l'oscillation et de l'infime mouvement. Et c'est ce qu'on va montrer là. Dans l'émission, donc la captation de la création de Cantique des Cantiques avec la danse. Donc pour les auditeurs qui habitent dans des endroits peut-être bruyants, je vous conseille de l'écouter la nuit peut-être. En tout cas, il faut l'écouter dans de bonnes conditions, donc soit au casque, soit sur de bons haut-parleurs, et surtout dans un moment calme pour pouvoir voir et percevoir toutes ces infimes fluctuations.
Thank you.